Good morgen, Aleid et Netsusra, aujourd'hui l'Elo Nishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvorah Bat Esther et Eliaou Vanish. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Nedarim, Perikhe, Mishna Gimel. Amudar Anaa Mechavero, Veyeshlo Merchatz Ubetabad, Muskarim Ba'ir. Im Yeshlo Ben Tfisat Yad Asur, Eno Ben Tfisat Yad Mutar. האומר לחברו, קונם לביתך שאני נכנס ושדך שאני לוקח. מת או שמחרו לאחר, מותר. קונם לבית זה שאני נכנס, שדה זו שאני לוקח, מת או שמחרו לאחר, אסור. Je traduis directement à Moudar Anam Chavero 1 a prononcé le neder qu'il ne profitera pas de son ami. Maintenant, l'ami, Veyesh lo merchatz. Ou bet abad et il a. Donc moi j'interdis, je profite plutôt à Réhouven. Maintenant Réhouven, il a soit un merchatz, un bain public, ou encore un bet abad, le pressoir de la ville. Mouskarim Bahir, c'est déjà loué à quelqu'un d'autre. Il l'a mis en sous-traitance chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire lui, il touche les dividendes tous les mois, il touche une sriroute tous les mois, une location. Mais il s'occupe pas, c'est pas lui qui gère. L'autre, c'est le. D'accord? Il y a Shimon, il loue le bain public, et c'est lui qui utilise Shimon, qui s'occupe de l'entretien, qui s'occupe aussi de récupérer aussi le profit pour lui. Est-ce que j'ai le droit maintenant, moi, qui n'ai pas le droit de profiter de Réhouven, est-ce que j'ai le droit d'entrer dans ce Merchatz qui appartient à Réhouven, mais qui est exploité par Shimon? Alors la Mishnah me dit comme ça. Si Réhouven il a gardé un quelconque droit dans ce merchatz, le partenariat apporte par exemple, et je crois que c'était lui qui le disait, qu'il s'est laissé un droit de rentrer dedans pour l'utiliser à sa guise, par exemple. C'est le bain public qui appartient à Réhouven, qu'il a loué à Shimon, mais quand Réhouven il a besoin de rentrer, il rentre, il fait ce qu'il veut. Ou encore, il y a dedans une pièce qu'il a le droit, quand il veut, il va, il rentre, il n'y a que lui qui a accès là-bas. Il a encore une mainmise sur le bien. Dans ce cas-là, on considère que le bien, il appartient aussi à Réhouven concrètement, et je n'ai pas le droit de profiter de ça. Comme la Mishnah me dit, « Im yesh lo ben tfisat yad », s'il a dedans un tfisat yad, il attrape une main, il a une mainmise, eh bien, assour. Par contre, « En lo ben tfisat yad », s'il n'a aucune mainmise dessus, juste il touche ses dividendes, mais il est comme un étranger face à ce merchatz, même si en théorie le bien lui appartient et qu'il touche ses dividendes tous les mois, pas au pourcentage bien évidemment. Alors dans ce cas-là, c'est permis. On parle, mais je précise, on ne parle pas aussi qu'il touche au pourcentage. S'il touche au pourcentage des entrées, alors ça s'appelle que c'est encore son bien. Il n'est pas question que j'aille là-bas. On parle qu'il ne touche pas, il touche un prix fixe. Et en plus de ça, il faut une deuxième condition, qu'il n'ait pas un droit de rentrer quand il veut pour exploiter un point ou un coin ou quelque chose comme ça. D'accord? Deuxième partie de la Mishnah. À Omer la Chavero, avant une petite transition, pour le moment, on a parlé du cas où, lorsque j'ai prononcé le Neder, son bien était déjà loué à le bien de Réhouven était déjà loué à Shimon. Par contre, si quand je prononce le Neder, le Merchatz, il appartient à Réhouven et c'est lui qui l'exploite, après Réhouven va vouloir le louer à Shimon, là, ça ne marche plus qu'il soit en location. Parce que ça reste le bien de Réhouven, d'accord? Maintenant, et c'est en rapport avec ce qu'on va voir tout de suite. « Aomer la chavero konam le betecha shani nichnas, vesadecha shani lokiach » Celui maintenant qui dit à son ami ou pas ami, peu importe, « Konam le betecha » Je fais un éder sur ta maison, « shani nichnas » que je rentre plus chez toi, dans ta maison. « Vesadecha shani lokiach » Je fais un éder que dans ton champ que je l'achèterai pas. Je n'achèterai jamais ton champ. Il est pour moi comme un Hikdesh. Donc j'ai pas le droit de rentrer dans ta maison, je peux le rentrer dans ton champ. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, c'est plus lui le propriétaire de ce même bien? Met Oshemecha Role Acher. Si maintenant Réhouven il est mort, et il reste maintenant le fils de Réhouven, ou encore il a vendu Réhouven à quelqu'un d'autre, il a vendu à Shimon, est-ce que j'ai le droit de rentrer dans cette maison? La réponse elle est oui. Moutard. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit ça, Decha, ton champ, Beitra, ta maison. Donc si c'est plus ta maison, ça devient permis. C'est là qu'on apprend que c'est juste s'il a vendu. Mais si toutefois il le loue, alors il reste quand même
Il reste quand même finalement que je me suis interdit sa maison tant qu'elle lui appartient, et tant que la maison lui appartient, je n'ai pas le droit d'en aller tirer profit, même si concrètement c'est quelqu'un d'autre qui l'exploite. À la différence du cas de la Misha précédente, où, comme on a dit, que la maison était déjà louée avant que je prononce le néder, et que puisque c'est pas lui qui a l'exploitation, donc je ne me suis pas interdit cette maison. Ok? Là-bas, on s'intéresse au moment où j'interdis, est-ce que j'interdis cette chose-là? Et là, comme j'ai déjà interdit la chose, alors pour que je puisse l'utiliser, il faut que ça soit plus du tout la sienne. Et je continue pour le moment l'essentiel de notre Misha maintenant, de cette partie de la Misha. Donc, c'est de nous dire que comme tu interdis ta maison, dès que c'est plus ta maison parce que tu l'as donné à quelqu'un d'autre, tu as le droit d'en profiter. Par contre, s'il a dit Konam le bayit ze shanirnas, s'il a dit je m'interdis de profiter de cette maison, jamais j'en profiterai de cette maison, pas dit ta maison, mais cette maison. Sadeh shani zo shani lokeach, ou bien ce champ-là que je l'achèterai jamais, met au shem charolacher, même s'il meurt et que son fils l'hérite, ou qui va le donner à quelqu'un, qui va le donner, le vendre à quelqu'un d'autre, assour, je n'ai plus le droit de tirer profit et d'aller profiter de ce champ, parce que je ne me suis pas interdit. Son champ, je me suis interdit. Ce champ. Et ce champ-là, il reste interdit pour toujours. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.